C'est-à-dire, eux, ils sont autant émotionnels. Ils ne pensent qu'à eux. Et en politique, on ne dit jamais, jamais. En politique, on ne dit jamais, jamais. Soit vous sortez de la politique. Vous savez, depuis le 5 septembre, moi, je fais des vidéos. Ma vie est menacée. Je n'ai même plus de vie. Je ne dis pas les baptêmes. Je ne vais pas en soirée. Je ne vais pas en vacances comme les autres. Compte tenu de ce combat que nous menons, parce que le pays est pris en otage par des bandits. On fait tout cet effort. Moi, j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui était opposé à l'UFDG que moi, Ansou Damaro, qui a fait autant de vidéos. Mais vu que le pays est aujourd'hui en danger, je me suis assis, j'ai réfléchi, je me suis dit, ce n'est pas l'UFDG qui a fait le coup d'État. Ils étaient opposés au président Alpha Condé. Ils n'ont jamais pris les armes pour aller renverser le président Alpha Condé. Pourquoi moi je vais venir m'opposer, m'attaquer à l'UFDG ou au président Selou Dalé? Pour quelle raison? Qu'est-ce que je gagne dedans? C'est comme ça que j'ai réfléchi et j'ai dit, je ne vais plus attaquer l'UFDG si ce n'est pas les élections où chacun va défendre les programmes de société de son candidat. Mais jusqu'à présent, d'autres n'ont pas compris. 1, 2, 3, président Alpha Condé. 1, 2, 3, président Alpha Condé. Il faudrait que vous arrêtiez à un moment donné, quoi. Pardonnez. Arrivez à un moment donné, il faut faire la part des choses. La maison cassée du président Alpha, président Selou, ce n'est pas le président Alpha Condé. Le président Selou en exil aujourd'hui, ce n'est pas le président Alpha Condé. Le manque de courant là, ce n'est pas le président Alpha Condé. L'insécurité dans le pays, ce n'est pas le président Alpha Condé. L'amateurisme dans l'administration, ce n'est pas le président Alpha Condé. Faisons la part des choses. Il faut que certains arrêtent maintenant. Il faut que vous arrêtiez, vous faites la part des choses. Nous devons prendre les bonnes décisions. On vous a dit qu'il y a eu des hauts et des bas. Il faut que vous arrêtiez maintenant. Pardonnez les gars. Ce qui a poussé certains à aller soutenir le CNRD, mais ils sont dans le regret. Moi, je n'accepte pas quelqu'un. Ici, sur mes pages, je m'adresse à mes frères de l'UFDG. D'ailleurs, ce n'est pas des communicants du parti, ce n'est pas les membres, mais ceux qui se disent qu'ils font des vidéos qui défendent l'UFDG. Vous n'êtes pas les seuls émotionnels ici dans ce pays-là. Il faudrait que vous arrêtiez à un moment donné. Faites la part des choses. Il faudrait que nous nous concentrons sur ces bandits qui sont là, le CNRD. Mais si vous ne voulez pas cela tout le temps, nous ramener tout le temps en arrière. Tout ce qui a été le combat de l'UFDG, moi Damaro, et les gens qui me suivent, on a soutenu ici. Et on continue à soutenir. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez qu'on soit divisé, dites-nous. On va laisser Mamadi va faire ce qu'il a envie de faire. Et j'ai dit aux gens ici, non, jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. Le CNRD pensait que non, quand ils vont finir de vous tromper, l'UFDG ANAD, ils vont venir récupérer les gens du RPG. Ce que nous, nous avons dit, niet, non, jamais plus grand. On préfère être avec l'UFDG que d'être avec vous. Vous voulez qu'on vous explique quoi maintenant? On a dit aux gens ici, moi, quelqu'un qui insulte, qui parle mal de Ella Selou Dalé, je ne tolère pas, vous êtes témoin de ça ici.
Je bloque ces gens-là. Je parle mal à ces gens-là ici. Mais pourquoi vous aussi, vous ne faites pas d'efforts? Oubliez le président Alpha Condé. Lansana Conté, père à son âme, est passé ici. Vous ne parlez jamais de Lansana Conté. C'est-à-dire, vous, tous vos problèmes, c'est le président Alpha Condé. Ce que vous demandez, c'est le développement. Ah, vous voulez le courant, vous voulez l'eau. Pourquoi vous n'avez pas réclamé autant de feu général Lansana Conté, père à son âme? À un moment donné, il faut vous ressaisir à un moment donné. Il faut faire des sacrifices. Souvent, il y a quelque chose qu'on n'aime pas, mais on est obligé d'accepter pour le bien. Donc, franchement, moi, je ne vais pas... Personne ne va me pousser à prendre des mauvaises décisions. Ce n'est pas vos manières de faire là qui vont, moi, me pousser à aller soutenir le CNRD. Astaghfirullah, je ne le ferai jamais. Je préfère être derrière ou souhaiter que un responsable de l'UFDG soit président que de continuer à soutenir ou de supporter ces voyous qui sont là. Parce que je sais que Aliou Condé, M. Kalemoudou Yansané, M. Chérif Ba, M. Fode Oussou, M. Selou Baldé, ces gens-là ont la notion de la République, quoi qu'on dise. Mais si certains ne comprennent pas cela, tout en essayant de mettre le couteau dans la plaie, je crois que ça ne va pas nous aider. C'est-à-dire les débats pour dire « Ah non, c'est la faute du RSPZ parce que Alpha Condé a refusé, nanani, nanana. » Oubliez ça. Avant de penser à ça, là, les autres vont aussi vous dire « Ah non, vous aussi, vous avez applaudi, c'est vous qui avez souhaité. » Des arguments bidons, inutiles, égoïstes, qui ne font pas avancer les choses. Quand on vous dit de faire des sacrifices, c'est de oublier ces querelles inutiles. Nous donner les mains. Attendez, il y a un maudit ici que je vais bannir d'abord. Kouemange. Yeah. Akolo, ota danka di. Non, laissez-le, je vais le bannir. Takoué, ota, akolo. Barka muna me rifora. Otan lou mane orana barka tarea. Oralu koko ya me rifora. Parce que moi, ma sara fait. Tante dit n'a son maouira. Otanana l'herbiri. Quelqu'un qui a l'âge de vos enfants. Ya me mane. Oh, ma granara. Fouyantea wali. Akli tarea wali. Onanan farinaki. Otan ben nous, on a le temps pour vous. Comme des gens ne ré. Et bien, la rue Bobo Matakana, modèle est bien. Soulard, et mon pays est développé. Et bruit, n'en a pas ma tombe parce que n'en a pas me rende. Autant me dit que modèle, vous pensez que nous, on a le temps pour vous? Moi, je vous ai dit, continuez. Sarah Touba, je vous ai dit, continuez à parler. Moi, arrivé à un moment donné, ne changez pas de mentalité. Hein. Continuez toujours. C'est le présent Alpha Condé qui est votre problème. C'est quand les gens vont sortir maintenant, ils vont s'attaquer à vos leaders. J'ai dit ici, si on demande au président, si on demande à Mamadi de faire sacrifice entre le président Alpha Condé et le président Selou, Wallahi Mamadi va prendre Selou d'Ale. Je vous le dis haut et fort. Famille, bonsoir. Je vais vous dire encore et bonsoir.
Partager, vous savez, le général 5 étoiles a les meilleurs services de renseignement. De suite, je vous disais qu'on se donne les mains. Tout de suite, là. Et on ne va pas répondre les soi-disant, ceux qui se disent qu'ils sont de l'UFDG, qui soutiennent Ousmane Gawal. On ne va pas répondre ces gens-là. Vous savez, c'est plus de 600 personnes dont le voyage a été financé par le CNRD. J'ai dit plus de 600. Imaginez, les billets étaient à 7000 et quelques. Plus de 600. À travers Ousmane Gawal. Ce sont ces gens-là, sur les réseaux sociaux, qui défendent la cause de Ousmane Gawal, qui essayent de nous perturber. On a compris cela. Donc, on ne va pas. Nous, nous parlons. Moi, je m'adresse aux vrais militants fidèles de l'UFDG. Aux vrais fidèles de El Asselou Dalé. On a compris aujourd'hui, même dans le RPG, comme les Nafugi, ceux qui étaient RPG hier, aujourd'hui, pour bouffer, ils sont là-bas. On a compris. Mais on va démasquer, mettre tous ces gens-là de côté. Mais tout de suite, vous venez de me voir au téléphone. L'information est capitale. Je vous dis, même quand il y a eu la mort de Sadiba, c'est les mêmes sources qui m'ont informé. Donc, c'est des gens qui ne mentent pas. Wallahi, bilay tallahi. La mort de Sadiba, la même personne qui m'a informé, vous savez, j'étais la première personne à annoncer la mort de feu général Sadiba. C'est la même information encore qui vient de me donner une information capitale sur Fonike Mangue. Et disent l'état actuel de Fonike Mangue. Il n'est pas mordé. Il est dans un état où il ne parle même pas. Actuellement, l'état actuel de Fonike Mangue, que si rien n'est fait d'ici le vendredi, vous m'avez vu tout de suite au téléphone, j'ai pris. Que si rien n'est fait d'ici le vendredi, il risque de perdre la vie. Et c'est le même réseau qui m'a annoncé la mort de Sadiba. Famille, l'heure est grave. C'est pourquoi je dis aux gens d'arrêter à un moment donné les bêtises. À un moment donné d'arrêter les bêtises. On dit qu'il est dans un état critique. Il ne parle même pas. Vous avez vu le troisième qui a été retrouvé. Comment ils ont retrouvé le troisième qui était avec les Founikés? Mamadi n'a pas d'état d'âme. Ce que les Guinéens oublient, Mamadi a tué le 5 septembre. Mamadi sait que s'il quitte le pouvoir, c'est fini pour lui. Mamadi, toute force d'opposition, tous ceux qui vont l'empêcher de rester, va chercher à les détruire. Donc, c'est l'information. J'étais dans le live tout de suite, j'ai reçu l'info. Donc, je partage avec vous l'état de Fonike Mangue, qu'il est presque inconscient, il ne parle pas. Et c'est comme ça qu'ils avaient fait à Sadiba. Ils l'ont torturé, ils l'ont maltraité, ils ont tout fait. Côte d'ici, si rien n'est fait, on ne l'envoie, on ne le traite pas. On ne l'évacue pas d'ici le vendredi. Donc, CNRD, nous avons reçu l'information. Quand vous avez tué le général Sadiba, la manière dont on a été informé, nous venons aussi maintenant encore par le même réseau être informés sur le cas de l'autre.
sur le cas de Phonike Mangi. Donc la famille partageait l'information que si rien n'est fait, si rien n'est fait pour Phonike Mangi, dans l'état actuel où il est, il risque de rendre l'âme d'ici le vendredi à venir. Et Mamadi, il a dit devant tout le monde qu'il n'a pas d'état d'âme. Quand j'ai dit Mamadi Doumbouya est un bandit, un gangster, différent de Asmiouk, différent de Ibrahim, différent de Chani, Mamadi, lui, c'est un bandit de grand chemin. Que Dieu nous aide. Hein? Moi, en tout cas, je vous ai informé qu'il est dans un état où il ne peut même pas parler. Qu'il est dans un état, la famille, les gens de FNDC, le FNDC, Sekou Koundouno, les responsables de FNDC, je sais que vous n'avez même pas contact de ces gens-là. Alors, on vient juste de m'appeler pour me dire que notre frère Phonike Mangi est dans un état où il ne parle même pas, il ne bouge même pas. Ils n'ont pas dit qu'il est mort, mais que si rien n'est fait d'ici le vendredi, je le répète encore, la personne qui m'avait donné l'info sur la mort de feu général Sadiba, c'est la même personne. Donc la personne ne ment jamais. Toutes les informations que moi j'ai reçues de lui, c'est 100% vérité. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci à tout le monde parce que l'info là vient de couper mon élan actuellement là. Et il faut que les gens prennent ça au sérieux. Hein. Il faut que les gens prennent ça au sérieux. Amadi s'en fout. Hein. Toi, imbécile qui demande où je suis le mari de ta maman. Toi, Toto là. Tu demandes où je suis le mari de ta maman. Ou bien on t'a dit, ta maman t'a dit que c'est moi ton père. Ou même si je vais en Guinée, c'est dans ta famille que je dois aller. Ou je dois rendre compte à un membre de ta famille. Je suis aux États-Unis où je suis tant. Tu cherches à savoir où je suis. Ta maman t'a dit que c'est moi son mari. Ou une de tes soeurs. Des maudits comme ça, là. Allez-y chercher votre papa. Ou bien, tu es à la recherche de ton papa. C'est-à-dire, vous demandez, viens, on dirait que, hein, quelques membres de votre famille vous a dit que Damaro est le père de quelqu'un là-bas. Donc, la famille, mon frère, nous ici aux États-Unis, on travaille chaque jour. Même aujourd'hui, dimanche, regarde, $194. Je suis assis aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui. Hein. Allez, juste quelques heures seulement aux États-Unis. Ici là, ici aux États-Unis, on travaille. Voilà. Tu vois comment ça fait mal? Tu dis que quelqu'un ne travaille même pas. La journée d'aujourd'hui, déjà, ça est là. Ça est là devant toi. Même cette semaine, je n'ai rien fait du tout. Mais attendez, je vais l'énerver. Je n'ai rien fait cette semaine. Malgré que je n'ai rien fait avec mes occupations, il y a déjà $1000. Petit, une semaine, je n'ai rien fait du tout. Mon goal, c'est ça. C'est-à-dire, je ne fais rien du tout. $1000, ça est là. Une semaine seulement. $1000. Tu vas dire quoi encore? Vous allez dire quoi? Maintenant, tu vas dire quoi? Pendant ce temps, attendez, je vais montrer leurs blogueurs qui demandent actuellement qu'ils sont malades. Ceux, les insultologues du CNRD. Pendant ce temps, eux, ils sont malades à l'heure là. Ils demandent même de l'aide de Mamadi Doumbouya. Qu'ils ont insulté, ils ont fait ça, ils sont tombés malades.
ils sont abandonnés. Vous allez les comparer à nous. Tu as une fois vu Damaro ici, sorti un jour, commander, cotisation, donner ça. Tu as une fois vu ça? En tout cas, je ne suis pas le mari de ta maman. Ça, je te dis ça aujourd'hui. Il faut demander à ta maman. Si elle t'a menti que c'est moi, ton père, elle t'a menti là-bas. Toto, si ta maman t'a dit là-bas que c'est moi, ton père, elle t'a menti. Voilà. Va demander à ta maman de te montrer ton père. Si tu as la recherche d'un père, ce n'est pas moi. Donc, va demander à ta maman, tu lui demandes de te dire la vérité, c'est qui ton père. Tu me demandes pourquoi? De venir. C'est dans ta famille, je vais partir. Ou je dois rendre compte quelqu'un à ta famille là-bas. Donc, oh baba fengo, n'tangamar. Quand oh baba nan loa roma, ou se gafala on gabe, aga oh baba ma se obe. Parce que Guinéna aga di baba kolo. N'tangamar ago, n'gafala obe. Hein? Ou se gafala on gamma wada fanyira. Oh baba nan aganna, ben oga fala ngasiga. Peut-être baba mouira. Nanara au katafe, n'tangasiga. N'tangamar ade. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Et Inch'Allah, on se reprend encore demain. Des fois, laissez-moi. Et là, eux, ils pensent qu'ils savent mal parler. Birin ton dimane, ou un kobi falade. N'ta moun kombi timade. Mais ou un naran, ira honomane. Et kolo, mougarou ma fefeyara. Hein, c'est le respect seulement. L'éducation. M'ri fanye, n'ré mou matoma. Sinon, Kagine kombinara, biri no matide. Hein? Et tambe, et sembe nambo, gine kombi tife, ou bien woyenyare falade. Biri no ma, biri, fui tondi, fui a falade, de. Moi, ma famille, l'éducation, l'image de ma famille, je ne vais pas ternir. Parce qu'il y en a me court taré, et falamane amouroro. Il n'a pas été bien éduqué dans la famille. Mais il y en a to, et bore kombima, ga rouramara. Nana ma sengre. Et Khoro a fanyé à la famille. Mais je suis allé à l'air de voir le mouka ouéen de Fale Ima. Et nous devons et mouna et mouma ouéen de Rima.